Z du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans la déclaration, on a compris que dès le pouvoir confond la réparation avec l'indemnisation. Et après ce qu'il y a, professeur de la Côte d'Ivoire, il y a eu des victimes qui ont pris 20 millions, 10 millions, ça va. Est-ce que l'indemnisation égale préparation ou bien est-ce que l'indemnisation au plan pécunier ne devient même pas un moyen qui fait que l'impunité contre le bateau fait que bon, on peut vous donner après une argent et ça continue. Donc nous avons nous-mêmes à nous interroger par rapport au pouvoir de l'argent sur notre tableau culture. C'est comme si on peut acheter aussi avec l'argent. J'ai aussi, dans la préparation de cette conférence, vous avez vous engagé à quelque chose dans le cas de cette victime, parce qu'ils ont déjà reçu l'argent, les familles viennent vous dire, n'abordez plus ce sujet en public. Donc nous devons, dans la vie, nous inviter les familles de la crise d'un pas par rapport à l'organisation. La réparation à l'indemnisation pour qu'on aille à la source même de l'impunité et pour qu'on découvre les différents aspects même du processus de réparation. En ce moment-là, on peut se sentir concerné parce que dans le processus de réparation, j'ai pu comprendre et vous l'avez dans la réparation, on doit arriver à la norme de pétition des actes. Or, le fait que nous contentons avec pas de l'indemnisation ne favorise même pas la norme de pétition des actes. Là aussi, la campagne doit aller dans ce sens-là. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.